Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan, aujourd'hui on se retrouve pour le numéro 27 du Faucon Millenium. Donc ce numéro 27, détail de nos pièces, alors cette fois-ci on a des pièces et on va les utiliser, ça fait plaisir. Donc notre pas à pas, nous allons faire encore une coursive. Comme on peut le voir ici, donc elle sera pas complète dans ce numéro. Elle sera complétée, il me semble, au numéro 28. Et puis, nous allons continuer gentiment cette armature. Donc, elle va en prendre encore un petit peu de forme. Là, ouais, on en a à peu près, on en est à peu près à la moitié. À peu près à la moitié. Donc, une première moitié de fait. Donc moitié inférieure il me semble, ou supérieure, à savoir qu'il va avoir encore une deuxième partie à faire. Voilà, donc hop, et puis ici on nous montre comment tout simplement assembler ces pièces plastiques pour le poser. C'est pas mal, ça prend de la place. Perso, j'ai pas la place de pouvoir les assembler, donc bon, je me débrouille autrement. Voilà, allez, on est parti pour le montage. Donc, pour cette première étape, on a notre grappe avec nos différents éléments de déco. On va venir récupérer notre pièce du numéro précédent que l'on vient donc superposer ici. Tout simplement, donc en dessous, on a quatre petits tubes qui doivent s'aligner parfaitement avec, si j'arrive à le rattraper, nos quatre trous. On retourne le tout. Et on va venir fixer l'ensemble avec quatre vis dorées. Donc, je suppose que ces vis dorées, ce sont celles qu'on a eues avec le numéro. Voici qui est fait. Attention, parce qu'il y a deux types de vis dorées. Au départ, moi, j'ai pris les plus longues et je me suis aperçu, comme on peut le voir ici, qu'elles sont vraiment trop longues. Donc, c'est les plus petites. Voilà, ce sont celles-ci et pas les grandes, hop, je vous zoome, voilà, ce sont celles-ci, mais pas celles-ci. Allez, hop, on va mettre nos vis de côté, on va passer à la suite. Suite qui consiste à venir dégrapper donc ces plaques-là. Donc, on va commencer par celle du bas, voici, et qui va venir tout simplement, hop, se mettre en place ici, donc toujours pareil, hein. Un petit peu de colle ici et ici pour venir fixer le tout. Et puis ensuite, ce que je suis en train de m'apercevoir, j'ai peut-être pas pris la bonne. Non, c'était celle-ci. Ouais, c'est celle-ci. Bon, c'est pas grave. Je le récupère donc celle-ci. Donc la première en partant du haut quand on a notre grappe comme ceci. Voilà, donc ouais, ça revient à peu près au même. Elles sont à peu près pareilles. Bon, c'est pas grave. Donc, je vais la mettre de côté. Donc, ça, c'est sur notre étape 6. Et hop, bon, je le colle après. Juste ici, on va venir récupérer cette partie-là que l'on vient coller donc juste ici. Allez, je mets la colle et on se retrouve tout de suite après. Donc voici qui est fait et on va mettre ça de côté. Donc ces parties là seront pour le numéro 28 à mon avis, donc on les garde bien de côté. Ensuite
pour la deuxième partie de ce numéro 27. On vient récupérer donc hop, les parties d'armature de ce numéro, plus nos parties donc des numéros 24 et 25 ou du 24, non je pense qu'il y avait 24 et 26, quelque chose comme ça. Mais enfin, on a deux parties de structure qui étaient en attente. Donc là, on va les utiliser, c'est pas plus mal. Voilà, donc voici tout ce qu'il nous faut pour cette étape. Alors, on va commencer. Alors, je vais pousser ça, voilà, on va mettre ça de côté pour l'instant. On va commencer donc par ceci. La barre transversale, on vient l'assembler donc comme ceci. Voilà, et puis on fixe le tout avec nos vis dorées. Donc cette fois-ci, les vis dorées les plus longues. Donc voici qui est fait, on met ça de côté, on va venir récupérer donc la pièce d'armature. Hop, alors je vais essayer de faire de la place, parce que là décidément ça commence à prendre un petit peu de place et c'est pas fini, c'est ça. Donc on prend notre pièce numérotée 30, je crois, BF30, que l'on va venir positionner donc juste ici, comme ceci. Donc ici et ici, on va venir fixer avec des vis noires. Donc voici qui est fait. Ensuite, on va venir prendre, alors c'est la BF31 que l'on vient mettre tout simplement à la suite, comme ceci. Donc pareil, deux vis noires pour la fixer. Donc voici qui est fait. Et ensuite, on va venir récupérer notre pièce, donc la pièce BF32, que l'on vient tout simplement mettre à la suite juste ici. Et là, cette fois-ci, on va juste mettre une vis noire. Voici qui est fait. Ensuite, et ben tout simplement, on va venir positionner donc notre barre juste ici. Voilà, et on va venir la fixer donc avec 5 vis noires, donc 2 ici, 2 ici et une, hop, juste ici. Et donc voici qui est fait. Donc cette armature prend de plus en plus d'importance et forme aussi. Ça, on avance gentiment, tranquillement. Les vis, attention, parce que vous voyez, là je les ai mis de côté comme ceci, gardez-les bien précieusement, parce que je pense que tout au long de la collection, il va falloir venir piocher là-dedans. Voilà, hop, je vais récupérer notre partie donc de ce numéro 27, la voici. On continuera ça dans le numéro 28, qui va arriver très prochainement. Voilà, bah écoutez, il me reste plus qu'à vous dire à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Et quant à moi, je vous dis ciao ciao !